Et bonjour tout le monde, c'est Pseudo. Et donc, nous voici, comme dit, augmenté de deux niveaux par rapport au niveau par rapport au niveau que j'avais. J'ai un peu augmenté, donné des. Comment ça s'appelle? J'ai donné des compétences à différentes personnes. J'ai maximisé la plupart des techniques. Avec le Bongo Level Up, du coup. Je vais donner des sorts d'explosion, par exemple, à ceux qui n'en auront pas, etc. Des sorts à Anna, des sorts physiques à Anna, bref. Et donc, du coup, ici, il y a aussi la forge qui a bien évolué. Et là, pour le coup, au niveau des statistiques, je vais essayer de me concentrer un peu sur le poison contre le vent aussi, mais là, j'ai un peu de mana. J'ai un peu de mana parce qu'il y a un manque d'équipement pour le coup. Mais pour le moment, j'aimerais bien le garder comme ça. Bref, en tout cas, c'est parti, la revanche. C'est la revanche. Donc, on va augmenter ça. Je rappelle que on est en épique, du coup. Et est-ce qu'on est en épique d'ailleurs? Oui, on est bien en épique. Comme j'avais un peu modifié les trucs pour pouvoir augmenter de niveau en paix. Voilà, je pense que tout le monde a renouveau max, non c'est pas grave. Hop. C'était un petit faux départ, c'est pas grave. Donc, on va débuter en buffant, en faisant notre petite évasion, et on va détruire immédiatement les Fenrir de manière tactique, notamment les soigneuses. Pour l'instant, on reste quand même dans le même ratio de dégâts que la dernière fois, c'est-à-dire que j'en ai fait même pas. J'ai même pas fait 2%, 3%. Et du coup, on va commencer à augmenter l'attaque. Et on va vraiment détruire toutes les fleurs petit à petit. Là, on a un état trempé qui est assez embêtant, vu que du coup, on veut faire des attaques évidemment de feu. Donc, on va faire ceci. Ah oui, et puis j'ai aussi récupéré une. Bah, de toute façon, j'irai faire quelques batailles obsolènes, mais j'ai aussi réussi à récupérer des. Comment ça s'appelle? Une épée des ténèbres dans la première zone de nave où nous passons. Il y a un coffre. Et du coup, c'est une épée pour maths. Aussi un arc dans des qu'on s'appelle que j'avais oublié dans les portes. On voit c'est que quand même ça commence à baisser en termes de points de vie. Thank you.
Là, du coup, ça body même dans ce qu'il y a la bénédiction. C'est intéressant à savoir. Et on a notre premier mort. Du coup. Premier mort, et ben, premier outil. Parce que c'est quand même un boss. Et qu'on va le finir en beauté. Enfin, je dis ça, mais il y a un autre combat rigolo qu'on va faire ensuite. Mais plus d'aller protéger l'environnement, tant pis pour la forêt tropicale. Bon, allez, une fois qu'on aura zigouillé, tu pourras t'y remettre. J'ai aussi fait quelques petits achats, notamment beaucoup de café et du chocolat. Tiens d'ailleurs. Même pas assez. Et en plus il se soigne. Inferme malin. Inferne malin, mais c'est pas grave, on va faire une explosion de puissance. Voilà, on sort végétane, qu'on puisse finalement respirer un peu d'air frais. Et donc un petit peu devant en musique. Et c'est la fin. Hop. Héhé. Jardinage extrême. C'est parti. L'océan, ça fait plaisir. Ah, l'océan, ça fait plaisir de changer d'air. Ouah, c'est énorme, je n'ai jamais vu autant d'eau avant. Hé, nous sommes presque à la dernière ville. Je crois que la voie par ici, à côté de la plage. Notre aventure se rapproche de son paroxysme. Je suis excité. On va récupérer des différents objets. Ça nous en fait combien de? Normalement 3. Parfait, je vais pouvoir récupérer d'autres petits trucs. Ce panneau indique de ne pas sauter, mais c'est vraiment tentant. Ça semble être un emplacement génial pour plonger. Devrais-je te filmer quelque chose arrive? Comme ça, c'est même si tu meurs, tu pourras être sur YouTube, tu pourras avoir plus d'abonnés. Bonne idée, t'es vraiment un type sympa pour faire ça pour moi. Ah là là. Les mecs. Du coup, est-ce que je prends celui-là tout de suite? Allez, on va dire oui. Hop. Et on récupère un bateau corail. Bon, maintenant, par contre. Maintenant, on va sur la plage. Contre quoi les ennemis sont faibles? Voyons voir. Un gland des sables, donc ça va être Nagnas. Donc ça va être Nagnas et le poison. Donc. On va s'équiper en conséquence. Plus joli Nassim. D'ailleurs, ils vont faire quoi comme attaque? Des attaques d'eau. Garder de la glace comme ça se réparer au cas où il y ait dodo qui résiste à l'eau. Bref. Surtout pas ça. Je pense que lui il a son meilleur équipement de ce côté-là.
Bon, ce sera notre nouvel équipement temporaire. Pour le moment, on verra selon les armures si besoin. Ça, c'est pour ça que je prends pas d'eau, parce qu'à tous les coups, ça l'absorbe. Le cactus. Heureusement, eux, par contre, ils ont pas la petite technique des mines épines. Je crois pas que ça a été copié, heureusement. Yo, nous ayons une ville portuaire pour nos petits commerces. Et en plus, M, les rumeurs disent que l'escabeau mythique serait caché dans la ville. L'un de nos derniers objets. Cet objet ne sert à rien, peut-être qu'un jour, ou peut-être pas. Ça pourrait être embêtant quand même de dire j'ai vraiment rien pour m'en défendre. Aucun remède. Hein. C'est quand même gratuit ça. Tiens, Bion, tu peux rien faire. En plus, tes unités sont super fortes. De toute façon, là, ça va être son dernier. Ma haine, elle va pouvoir se. Ouais, ça me fera toujours triper de mammouth qu'on a entre guillemets sauvé. Enfin, qu'on a attaqué à mort pour et qu'on a ensuite épargné. Qui ne sert qu'à être jeté. Ah là là, ce n'est qu'un prolactine. Donc là, si on va en bas, on devrait retrouver la zone qui était inaccessible avant. Ah non, on est encore plus haut. J'ai creusé les alentours, aucun trésor, mais donner des déchets en retour. Oh, résistance, c'est pas du tout des déchets ça. Juste un truc que j'espère et qui pourra très bien mettre la fin à notre petite aventure qui est pour le moment en épique. C'est j'espère que le niveau de leader des boss n'est pas 50. Parce que si c'est 50 là par contre je baisserai la difficulté. Parce que du coup je pourrais pas avoir davantage sur lui de ce côté là. Mais sinon j'essaierai comment ça s'appelle de enfin comment dire.
de faire comme là, d'augmenter deux niveaux au-dessus. Et ensuite, si ça fonctionne pas, je fermerai à bord de mon côté ou je diminuerai la difficulté selon comment je le sens. Pépette, tu es outré. Un embat de dragon des mers qui disait. Maintenant, je suis à moitié aveugle et mes camarades sont au fond de l'océan. J'imagine que c'est le moment de partir à la retraite. Vous pouvez avoir mes objets restants. Apparemment aussi, ils vivent des aventures, mais nous sommes bien plus efficaces qu'eux. Toujours les petits trucs cachés. Les champs ont l'air populaires ici. Regardez-moi toutes ces cultures d'argile. Plusieurs cultures vénéraient les chats, mais la plupart sont passées à autre chose maintenant. Il semble que cette ville ait gardé ses traditions depuis un beau moment. Je suis à la recherche de ce vêtement féminin, je n'en dirai pas plus. Bon, ça me tente pervers, ne me faites pas répéter. Ah! Les pépettes, donc on récupère tout ce qui est trésor. Ah, bah, du coup, c'est une femme. Donc, regardez quoi, regardez-moi toutes ces plantes. J'imagine qu'il y a un marché pour toutes ces horribles plantes. Qui ne l'eût cru? Elles sont jolies tout de même, évidemment. Donc, bon, bah, mission accomplie. J'en suis pas fier. Voilà. En commentaire. En tout cas, on a la sauce chili qui, quand ça s'appelle, qui est un truc assez utile et à la fois utile. Ça permet d'avoir la barre de limite en effet qui est régénérée à fond. Donc en fait, c'est à la fois utile parce que du coup, c'est quand ça s'appelle. C'est utile vu que en combat, pouvoir lancer plusieurs fois son ulti, évidemment, il y a une tactique énorme. Mais en même temps, il y a tellement peu de moments où tu vas vouloir en utiliser. Ah, c'est plutôt vois, petit trésor. Ah, et apparemment, il y a quelque chose ici aussi. Sinon, dans l'épicerie, vous pouvez rien apprendre de base. Mais vous qui utilisez la magie augmente les probabilités d'être atteint du cancer. Hein, d'une fois par semaine. C'est pas juste une arnaque pour mon petit objet de guérison. Il a aussi été prouvé que utiliser la magie divise le nombre de spermatozoïdes. Bon, elle encore, je suis prête à prendre ce risque. Du coup, à la limite, il n'y a que comment ça s'appelle Matt, je crois qu'il peut apprendre des compétences magiques. Donc en théorie, il peut être. Ouais, il peut apprendre de la magie et lui aussi, donc lui, je sais pas si de fait qu'il utilise un flingue, bah de toute façon, il utilise un, quoi s'appelle un sceptre. Donc, dans tous les cas, tout le monde peut être atteint par les effets secondaires de la magie. Les études non prouvées, c'est foutu. Pas déranger les bacon. Le bacon est une créature très noble et mérite nos respects. Ah, non, non. Apportez-moi ces objets, je vous enseignerai comment invoquer la graine des cieux. C'est surtout respecter bien la viande. C'est un animal vraiment très beau, la viande. Bah, du coup, toi, c'est des cristaux d'eau, c'est ça? Hop. Bah, on a un magasin qui est juste à côté pour ça. Il en faut 11, mais je vais en acheter plus parce qu'il va sûrement y en avoir besoin pour améliorer des matériaux. On touche tous les ennemis et alliés. Merci, mais non merci. J'avais bien envie de prendre une petite pause pour me baigner. La dernière fois que j'ai porté un maillot de bain, des photos de moi se sont retrouvées sur Internet.
Je ne vise personne, mais je ne suis plus vraiment une grande fan d'épinage maintenant. Je n'aime pas nager non plus, mais si vous défiez, ça ne me dérangerait pas de faire une pause, clin d'œil. Et arrête de me déshabiller dans ta tête. Tu peux lire dans mes pensées. Tu peux lire des pensées. Oh, imaginez ne plus avoir de jambes et de bras, et être aussi gros qu'eux. Bon, j'imagine que des glurons arrivent à survivre d'une façon ou d'une autre. Que dit Anna par rapport à ça? Des chats de sable. J'aurais aimé avoir le temps de rester en tenant la plage de chats de sable. Je suis de Nantes, ils ont déménagé après les récentes émeutes. J'allais me baigner. Je permets au groupe d'Adétor. Bah, du coup, en échange, merci, voici une pète que j'ai trouvée. Ah, parce qu'il y a des trésors cachés par-ci par-là. Ah, on peut accéder à Sina sans attaque ennemie. Je vais te poursuivre pour harcèlement sexuel, arrête de considérer. Bon, en même temps, quand on connaît le personnage, tout est complètement justifié. Même quand on connaît Dieu aussi d'ailleurs. Vraiment, j'ai pas mal de chance de ce côté. Est-ce que j'ai une autre tactique? Parce que ça, c'est du moins 50, du moins 80. Donc pour lui, à la limite. À la limite, un grand ennemi, donc hop. On voit déjà l'efficacité du changement d'équipement. Tiens, d'ailleurs, en parlant de changement d'équipement, toi, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre aussi quelque chose de gnasse. Ça, c'est peu venin nassif, ça fait du 45-45, ça fait du 30-30. Inconvénation avec certaines habilités, pourquoi pas. Ouais, mais ici, par contre, j'ai pas grand-chose. Donc, là, ça ira. Et ici. Ici, je pourrais prendre ça, tandis que nuit. En plus, ça diminue la magie, donc ce serait très bien, en fait, que Matt prenne ça. Et sinon, on veut bien rester sur ça finalement. Oh purée, 14 pins de quoi? Du coup, Eden finit par garder les restes. Ouais, bah on fait mal des sacrifices, donc.
éliminer. Ensuite, Matt, du coup, toi, tu vas prendre ça. Hop. Quoique, tu as suffisamment d'eau. Donc, à la limite, ce que je peux faire, c'est prendre un autre casque. Est-ce qu'il y en aurait un? Augmente l'esquive lorsque attaqué par un coup puissant. Ça augmente la magie. Body parfois de joueur. Ok. Et lui, il va prendre. Effectue parfois bombardement. Pas d'effets spéciaux. De la puissance des objets. Aucun effet spécial. 5-5. On va plutôt prendre ça et lui. Il va s'équiper de ça. Comme ça, tout le monde a une bonne protection à part N contre l'eau. Non, c'est toi qui n'as donc. Attends, écoute, tes santé, ça peut résister quand ça peut absorber l'eau. Et je ne peux accéder à rien pour le moment. On va attaquer l'obsieur vert. Marche sans rythme pour mélanger de verre. C'est ou là pour mélanger de verre, pour confondre de verre, non? Pour le confusionner. C'est sûrement dans Dune ça. Mini-boss récurrent. J'aurais quand même buffé ma défense magique. Je crois que cette attaque peut aussi tuer en un coup. Mais ça, du coup, c'est à confirmer. Donc mon ami, glace, poison. Oh, et il régénère pas avec le poison, parfait. Ouais, je suis aveugle, Kuba. De toute façon, avec tout ce que tu t'es pris, de fatigue. Allez hop, le poison à neuf.
rouleau. Là, c'est la frappe qui est partie. Oh, attendez. Bon, c'est une catastrophe. La Kodak. Et vous combien du coup par rapport au groupe? 27, 28. Oh purée. Ouais, on va en avoir par l'attrition une poison. Oh purée, je suis heureux de vous avoir connu les gars. Il m'utilise souvent en plus, même santé. Du coup, nous allons faire ça. Et on va augmenter notre esquive. Peut-être en faisant ça et en y mettant le croc que j'ai eu ma chèvre apprivoisée là-dedans. Alors c'est là qu'elle était partie. Je vais affaiblir la cible. Paf. Bon, comme c'est clairement un boss. Alors que les 22 de moi. Bon, l'épinard, ça va être pas de coup fatal, je pense. Voilà. Mais prochain coup, on gagne. Notre dîner est prêt pour toute la semaine. Mais oui, refais-vous le coup de manger un verre toxique, mon gars. Les petites pluies d'étoiles pour fêter notre victoire. L'extermination de verre. Et donc là, logiquement, on escabeau. Donc, on va faire dans l'ordre. Hop, utilise escabeau. Ah bah oui, bah du coup, il n'y a plus de... Il n'y a plus de compétences spéciales correspondantes par rapport à Pokémon. Donc là tu n'as bien dans l'os. Hop, il n'a plus rien, donc à ton tour. Ah. Une attaque d'un pépette. Hé hé. C'est bien, pépette. C'est bien, pépette, c'est bien.
Le truc bien, c'est qu'on a ces escabeaux magiques, donc du coup, on peut mettre des escabeaux partout, tout en gardant de d'autres. Qu'est-ce que t'as vu? Ah, une mouche va périr. Et une mouche a péri. Pépette, c'est bien. Oh, mais c'est vrai, c'est une sorte de dragon d'eau. D'ailleurs, on peut voir là des nuages. Un de ces marrons, quelques temps avant, nous avions vu un dragon entouré de nuages de ténèbres. Serait-ce le dernier objet? Ouais, bah là c'est là où t'es bien content d'avoir pris des objets de glace et pas d'eau. Dégâts, 8511, avec des bobs de défense, elle aurait largement résisté. Ah, on a Pépette qui attaque le matériel. Pépette. Des nuages, comment sommes-nous censés marcher là-dessus? Ces attaques nous commencent à devenir un peu trop irréalistes. Ah, nana. Le réalisme. Hop. Ultra-nazaire. Faut que je me montre ça. Faut que je me montre. Est-ce que j'ai pas un équipement justement qui peut me charger automatiquement? Surprendre la cime. Ce sera sûrement un truc avec l'électricité. Effectuer Gigavent. Contre-attaquer avec Nasma. Mmh.
Moi, bon, vous le montrerez là, par exemple. En tout cas, Dragon d'eau, à notre service. Hop. Vos alliés sont morts. Et nous, nous restons derrière eux. On va essayer d'y aller bien bourrin. Comme dit, il faut faire des sacrifices au niveau de la défense. Mais c'est Anna qui paye. Ah oui, bon, du coup, d'un attaque physique, évidemment. Parfait, on est peut-être en main. On n'ira pas de la scanner avant de nous dégouiller. D'ailleurs, dragon aquatique, dragon bleu. Sinon, il y a l'électricité aussi qui est pas mal contenue. Si l'électricité est pas mal contenue, on peut peut-être espérer. Non, pas de paralysie. Et on a tsunami. Nous aussi, on va pouvoir noyer les gens sous une tonne d'eau. D'ailleurs, on va un peu forger pour augmenter nos trucs. Donc, de ce côté-là, c'est au max. De ce côté-là, c'est au max. De ce côté-là, il nous faut 55. C'est des trucs un peu abusifs. Hop. Là, vous comprenez où est parti tout l'argent dans chaque vidéo. L'éclat de vitrine, ça va coûter une blinde. Il me reste combien? 86 000. Devrait avoir assez pour acheter les 15 épines, grosses épines. Où est-ce qu'elles sont? Un petit truc qui est amélioré aussi dans l'Epic Button Fantasy 5, c'est que du coup, on peut les acheter par 10. Et ça, c'est pas mal. Hop, je pense que de ce côté-là, tout est bon. De ce côté-là, tout va être bon. Tiens, ça par contre, ça va sûrement augmenter la résistance à nos deux de plus. Et du coup, Anna qui a aucune résistance face à ça. Où est-ce que c'est? Monsieur l'aveugle, oui. Est-ce que ce serait pas Nat qui n'aurait par hasard? Ah bah,
Bah attends, non, il y a un truc que... C'est un chapeau, c'est ça? Bon, c'est pas grave. Ah si, c'est une poisson. Allez, là c'est perdu de temps. Nos derniers joyaux ont été enlevés, c'est terrible, nous sommes perdus. On peut voir des chats ici. Rien n'est arrivé pour l'instant, le ciel n'a pas viré au noir ou un orage ou quoi que ce soit de la sorte. Hé, regardez, les méchants sont là-bas dans la prochaine case. Ils s'enfuient. C'est une bande de chats, ils ont tous les joyaux, ils les emportent vers les ruines. Il est temps de leur donner une leçon. Si nous sommes assez rapides, nous pouvons encore les arrêter. Ne regarde pas Doleg. Non, non. Quel massacre amusant. J'ai toujours su que les chats étaient maléfiques. C'est dommage qu'autant se soient enfuis. Oui, je suis épuisé, il en avait tellement. Nous venons peut-être de manquer notre dernière chance de récupérer les joyaux. Nous aurions nous dépêché d'atteindre les ruines avant qu'ils n'invoquent l'Hadès Féline. Chevalier Royal, vrai équipement. Mais un travail est ennuyeux. La chevalerie est morte. Ah mince! Dans un étrange accident de Mouna avant, on a décoré Vert qui joue en hardcore. Ah bah c'est sûr que Don Quichotte. Bref. Mes yeux me jouent-ils des tours où ai-je vu un troupeau de chats? Ah d'accord, pas de. Ouais, mais en même temps, si votre odeur vous empêche de sauver le monde, c'est un peu la douille. La déesse féline a bien réussi son coup. Ah, très important cet endroit-là. Parce que ça va permettre quelque chose. Cette fille a pris soin du temple de la déesse Féline depuis des générations. Par contre, mauvais pressentiment, elle sort des premiers à tout faire si quelque chose dérange la déesse Féline. Ah bah ça. Ensuite, ici, normalement, j'ai encore une CNIP. Je ne crois pas que je veux savoir ce qui est arrivé à cette maison. Un verre des sables, des cadavres. Ah, et une autre clé d'or. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer sur le squelette? Non. Et donc, du coup, je disais que ça, c'était important. Car... non, en fait, c'est pas important du tout. C'est l'écran suivant, du coup, je pense qu'il va être important. Non, d'autres. Enfin, ouais, d'accord, j'étais très loin du compte.
Cette personne est la meilleure et seule maître du karaté des briques dorées. L'instant Thomas est toujours une classe assez ennuyante. Pourquoi utiliser ces points quand on peut utiliser des épées? La classe des moines, toujours souvent avec des bonus quand il n'a pas d'armes ou des choses comme ça. L'objet du temple. Ce que je peux faire, c'est ça. Et hop, un fusil sans doute électrique. Confirmons ça. Ah non, oui, c'est le fusil tronçonneuse à la Warhammer ou la guerre off. Il y a des combattants assez expérimentés par ici. Ce magasin doit avoir pas mal de choix. Regardez tous ces échantillons gratuits. Une petite clé, des vitrines, des plaques d'argent, de l'or et du titane. Des barrettes de RAM, plein de matériaux rares. Ça plairait sûrement à Nance, mais ça te plairait. C'est une belle dame, mais elle me rappelle cette femme qui m'a causé beaucoup de problèmes. Cette femme qui a posé beaucoup de problèmes. Ça doit être lié aux autres, qu'on s'appelle, à des aventures annexes. Ces trucs ne m'intéressent vraiment pas, soit Bron Ryan, soit d'autres petits trucs. Oh mon dieu, je pourrais faire pas mal de séances avec ça. Alors, attendez, c'est juste une réplique. C'est pas pour rien que tu es notre, entre guillemets, expert des armes à feu ici. Du coup, magasin d'équipement. Ah, il y en a des nouveaux. Enfin, il y a des nouveaux, dit-il en étant sur une arme ancienne. L'anarchie. Donc, ça, c'est une. C'est un de ces équipements camouflage où tu as pas d'armure mais beaucoup d'attaque à la fin. L'armure Genji qui donne des bons bonus. On va devoir utiliser ça un moment. De toute façon, je vais finir par tous les acheter donc. À la fin des aurais tous. Tant de nouvelles armes. Puissance d'attaque ou bonne défense ou avantage élémentaire. Ah, ça. Une botte à pointe. Elle était censée faire quelque chose à un moment, mais elles ne font plus rien à présent. On va aller voir tout de suite notre cher monsieur pirate. On va se faire déconcentrer par un coffre. Et un autre coffre. Sauver tout. Allez vite, ça sert pratiquement à rien d'augmenter la défense magique vu que il y a tellement de résistance à l'eau. Par contre, la résistance physique reste tout de même obligatoire. Ou en tout cas fortement conseillée.
Tiens, on vient de dépasser la barre des 10 000 et je crois avoir vu un ralentissement. Toujours vers 1 heure. Je voulais vous le montrer. Charlemont terminé. On va se barrer. Et parce que on fait pas des choses à moitié. Allez, une tradataire. Waouh, 25 000 dégâts, c'est pas du tout rentable. Vu que du coup tu utilises 2 tours. Du coup c'était 25 000. Nous allons tester donc. Deux coups de... Ah oui, mais il va sûrement mourir avant. Du coup, c'est de quoi? Électricité. C'est 12 000 plus 12 000, on arrive à un point équivalent. Et en plus, tu utilises deux fois une tranadère, donc en utilisant une tranadère, et ben tu consommes deux fois Namana, ce qui est pas du tout rentable. Donc à éviter. C'est une compétence qui est classe, mais qui vaut pas le coup. T'avais dégouillé toi? Sûrement. Du coup, Sanor, vous avez une peine pour moi. Vous pouvez avoir ces bottes. Partez, vous allez nourrir les poissons. J'ai suffisamment d'objets jetables pour t'abattre et de assez haut niveau, contrairement aux personnes de Gondetson. Du coup c'est ici. Ah, le parchemin bleu. Ce parchemin contient des informations pour faire traverser le labyrinthe de la jungle. Oh, et merci pour les chaussures, mais de rien. Et ça, du coup, ça devrait être le temple de la déesse féline. Miaou, miaou, miaou. N'est-ce pas vraiment que tu ne fais pas partie de ce von de joyau, Doneg? Tu sais ce qui est arrivé à mes précédents animaux de compagnie, non? Miaou? C'est ça, ils étaient délicieux. La dernière zone. Enfin, l'avant-dernière, sans compte pas les zones bonus. Mais d'ailleurs, zone bonus, zone bonus. Nous allons réaliser nos chemins secrets de ce de cette partie-là. Tant qu'on a le parchemin, autant l'utiliser. En fait, vite, je vais tout prendre en note.
Mon ami ne se sent pas très bien, je vais rester ici pour le moment. Du coup, je suppose que maintenant c'est actif. Nacté. Au gauche, au droite, droite. On va assumer que maintenant c'est actif. Voilà. Oh, je ne pensais pas qu'on viendrait à bout de cette jungle, mais ça en valait la peine. Nepnantes ont complètement couvert ces ruines. Elles doivent être très anciennes. Elles sont totalement vierges. Peut-être sommes-nous les premiers à les découvrir. Il y a des statues de chats par ici. Ça doit être des ruines d'une autre civilisation de chats. Desfinine n'avait vraiment aucune pitié. Elle a vraiment détruit tout ce que les chats avaient construit. C'est vraiment dommage que nous ne puissions jamais voir tout ce que des anciens chats pouvaient faire. Miaou, miaou, miaou. Oh, et des monolithes. C'est donc des monolithes creux pour le coup. Non, on va tester ça, mais d'abord monolithes. Protection. Ah non, du vent. Ah. Pour le coup, si c'est des monolithes du vent, on va se faire un autre équipement. On va se faire un autre équipement. Déjà, Natsen, elle a déjà une partie de ce qu'il faut. Elle va récupérer ça. Matt, il a déjà ce qu'il faut. Et Nance, on va dire qu'il a ce qu'il faut aussi. Du coup, on va prendre Matt, Nance, Anna. Et qu'est-ce qu'ils ont comme chose? Des vents, c'est une anti-terre et une anti-bombe. La Kodak. Mercredi. Est-ce que j'essaye ça? Oui, allez. Qu'est-ce qui pourrait même se passer? Ça n'a pas beaucoup d'effet sur la plupart des ennemis et là, il n'en a pas eu du tout. Donc. Ah, ça n'a débuffé. Zut. Toujours pas chargé l'autre.
Oh non, non. Tu ne joues pas, toi. Je vais pas y arriver. Donc, défense. Méfier parce qu'il est tout à fait possible qu'on se prenne un triple monolithe. Boulot. Ils sont vite ce combat. Non, ça va, c'est que deux monnaies. Donc, autre part, ce serait 5 monnaies cosmiques. Est-ce que du coup ils sont immunisés à au sacré? Non. Ça va être dangereux ça. Ça va être dangereux ça. On va essayer de donner des buffets. Enfin, donner. Et puis vous, je viens d'utiliser la personne qui pouvait les débuffer. Toi, tu vas te mettre comme ça. Oh, je sens bien que ça va accrocher.
concentrer seulement sur un, ce fifre, debuff de d'autres. Enfin, maintenant qu'il est tout seul. Parfait. Une belle augmentation de niveau. Une magnifique compétence. Et surtout, avant que ça crache, sauvegarder. A tout de suite. Donc, nous y revoilà. Ça me sent que ça va être de niveau 30 de maximum et que pour épique, ouais, je pense pas battre God Cat en épique pour le coup. Si le niveau 30 c'est le max, je vais l'atteindre beaucoup trop rapidement. Ouais, j'essaierai quand même, mais j'essaierai. Après, j'essaierai de mon côté. En essayant à bord une dizaine de fois, vingtaine, trentaine, tout ce qu'il faut pour battre le boss en épique et débloquer une médaille. Alors, ce qui est marrant, par contre, c'est que étonnamment, sur Flash, Epic Battle Fantasy 3, j'ai eu assez de mal à battre certains boss, mais alors dans celui-là, dans la version Steam, normalement je crois pas qu'il y ait eu grand chose qui ait été changé au dragon, mais c'est allé tranquille. Ah, ils sont résistants. Au revoir les moments où ça se déclenche dans les 300 points de vie. Maintenant, fini ces moments-là. Hop. Du coup, 9 ans, si 9 ans c'est pas ça. Est-ce que Nagnas ça marche quand même? Oh oui, Nagnas ça marche quand même. Oh que oui. Un de moins, 4 qui restent. Si je fais ça, ah, j'ai mal calculé mon coup. Alors, calculons le coup.
sûr il y aura un dragon devant, un truc comme ça. D'ailleurs, ça va être un élémentaire de vent, je suppose. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Jambon, bœuf et dodos. Hop. Oh, ce mec en argile blanche ressemble à un guérisseur. Et sans doute une... Qu'on s'appelle... C'est une facette de pique. Mais ils ont aussi une éteinte régénération. N'est jamais bon signe. En fait, tous sont des soigneurs. Et ben justement, j'ai une bonne chose. Une bonne magie à zone d'effet, moi. Mais je crois que le chien il est résistant à ça, il n'absorbe. Non, il est juste résistant. Parfait. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Oh, ça c'est très bien. Là, pour le coup, quand d'autres y parlaient de, comment s'appelle, défense, enfin, statistique ou résistance élémentaire, ça c'est un très bon exemple de bonne armure. Problème, c'est que du coup, le dernier boss, c'est comme vous avez pu le voir avec les chats, c'est ténèbres et feu, donc ténèbres et lumière, donc bon. Ça risque de poser problème. Dune de sable. Une attaque normale de terre, j'en ai déjà. Elle en a, il y en a déjà ici. Nuit de la terre. En même temps, c'est une attaque physique. Bon, allez. Est-ce qu'ils sont parfaits? La moitié des points de vie. Oh purée. Est-ce qu'il peut au moins lancer la compétence? Oui. Hop.
Bah là, tu gagneras pas l'expérience. C'était évidemment celle qui en a le plus besoin. Bon, eh bien, zone optionnelle de fait. Je pense qu'on va être censé. J'ai vu ça. Voilà. Je pense que là, on va. Ça va être un épisode un peu plus repos. Si on va se faire des petites missions annexes qui correspondent au pont. Et puis après, on retournera vers le bas. Le forfait nain. Wouhou! Bon, et puis là-bas, je crois qu'il n'y a rien à prendre en particulier. J'ai pris ce coffre. Ici, il n'y a rien. Allez, il peut aller pour vers des. Comment ça s'appelle? Un peu explorer la nave. Tiens, d'ailleurs, ici. Ici, c'est là où j'ai pu avoir une épée. Où est-ce qu'elle est? L'aube de démon de maths. Qui sera utile. Puis après, là, j'avais vu qu'il y avait un dragon. Nous allons voir le dragon. On va manger des kiwis devant le dragon. Des citrouilles aussi. Et ensuite, en avant. Donc. C'est une zone de. Comment ça s'appelle? La zone des sables étant tellement petite. Ah oui, par contre, du coup, là, il faut que je me protège du feu. On va faire ça tout de suite. Est-ce qu'on garde la glace? Oui, c'est efficace. Donc, résistance au feu, hop. C'est toujours se prendre un peu de temps pour faire ça. C'est ça dure pas longtemps et c'est pour un gros payoff. Ah oui, ça tombe ici à moins 30%. Les cons va se retrouver face à deux têtes de dragon et des trucs. Donc il semblerait que y ait une limite de deux gros monstres.
Ah, ça par contre, ça faisait longtemps, on est mort instantané. Comme bonjour. Et en plus, on a nos dragons. Mais c'est pas fini. Donc on a encore un vieil ami. Un vieil ami qui ne respecte pas notre espace privé. Pour le coup, je crois que c'est surtout des dégâts élémentaires, non élémentaires qui fait. Donc, à part améliorer une poison à la limite, mais que peu d'intérêt, là pour le coup, il vaut mieux choisir des bandes de stats. Mais sinon, il est toujours faible face à ça, donc il n'y a pas à changer. Ou non, par contre. Ils perdent beaucoup plus de points de vie que nos amis d'avant. Il n'est peut-être pas de si haut niveau. Lui, lui a essayé de Hanta, il pense savoir où ça va aller. Une éternelle attaque fameuse du Beyonder. Évidemment, grosse possibilité d'avoir du poison. Infligé par cette attaque intrusive. C'était un peu dur pour un martial. On notera que il n'a aucune que pour le coup quel que soit le sexe et à la foutre. Dans tous les cas, il fait son affaire. Et dans tous les cas, nous allons éliminer à ce violeur décérébré. Hop.
D'ailleurs, chose importante, qu'est-ce que tu fais, mon cher? Alors, je vous espère qu'il y a d'autres attaques que ça. Une idée de créature qui se sert d'attaque poison et peut débuffer l'équipe. Ok. Et sinon, c'est sacré ou etc. Il a plus de MP. Ok. Bon, comme c'est un boss. Je sais plus s'il est lui-même résistant au poison ou non. Mais on est un peu moins intrusif, mais tu vas prendre cher. Voilà. Voix et observe. Et un nouvel animal de compagnie. Voyons ce que nos amis en ont à leur dire. Ne vous en rend pas à l'aise avec ce truc à proximité, même s'il est supposé être de l'autre côté maintenant. Je te comprends. Surtout qu'il y a des dialogues qui impliquent que quand ça peine, le tabis était tombé enceinte de ce truc. Donc voilà. Du coup, ça c'est fait. On va aller en bas. Donc. Là, ici c'est bon. Je crois que en haut, normalement, il n'y a rien de plus. Ouais, en haut, il n'y a rien de plus. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore? Le village de chute blanche, c'est bon. Il doit y avoir dans l'usine. Mais je peux pas y passer par là. Qu'est-ce qui se passe? Bref, mon usine.
Ok, c'était ici. Et après ça, je pense que c'est bon. Les pétrosonneuses. Résistant face aux ténèbres. Pour le moment, je pense pas pouvoir accéder au glitch. Non, il me faut une clé. Si je me rappelle bien, il me faut aussi une clé d'or. Vu que oui, il y a un ennemi qui s'appelle le glitch. Et c'est évidemment en rapport avec l'usine. Et cette IA qui a pété les plombs. Bon, et ben c'était une partie des trucs optionnels qu'on pouvait accéder. Avec nos radeaux. Peut-être que là, il y a des endroits où l'utiliser qui ne me sont pas venus à l'esprit. Mais bon, on a fait un bon ramassage d'objets. Et pour la prochaine vidéo, nous allons nous frotter à ces fichiers coquins. A plus, TTA Pseudo.